ça pourrait m'être utile. Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Faites une combinaison. Électrocutez-les avant de les assommer. Vous ferez une pierre de coup. Non. Ne m'approche pas. Qu'est-ce que c'est que ces personnes qui m'attaquent tout le temps ? Une trousse de soins, ça pourrait m'être utile. Non ! Ne m'approche pas, je... Dites à Ryan que je suis désolé, ça n'arrivera plus ! Mais Ryan ? Oui. Qui c'est ? Qu'est-ce que c'est que cet endroit de dingue ? Si t'étais pas méchant, tu m'attaquerais pas, bordel ! Bon, on peut aller que par là. Donc... pendant que je cherche une sortie à tout ce qu'il y a. Et puis s'il peut m'aider, pourquoi pas l'aider en retour. C'est à perdre juste là. Maman est partie et papa aussi. Mais pourquoi? Pourquoi c'était avant? Et puis je... Pourquoi tu n'es plus là? Hein? Pourquoi? Pourquoi aujourd'hui, et pas quand tu étais toute chaude et toute gentille avec moi? Pourquoi maman ne peut plus te serrer contre son cœur et sentir ton souffle tout contre elle? C'est moi ou cette dame a une barre très mal placée? Non! Et des oreilles. De lapin. Sur la tête. Une playmate! Allons la voir! Bonjour madame. Ces gens sont dingues. Les plasmides ont transformé cet endroit en asile de fous. Au début, tout se passe bien. Cependant, si on exagère, le cerveau ne suit pas. Alors on se met à changer, à évoluer. Et un beau jour, votre voisin se transforme en monstre terrifiant. Qui sont ces gens? Là, tu dépasses les bornes, Brenda. Tu prends vraiment pour un imbécile. Mais non, c'est pas Brenda. Je l'ai gagné. Tu veux la manière... Pourquoi ils veulent tous des dents? Moi, ça m'est égal. Personne ne voudra faire de moi maintenant. Ma tête. Oh. Qu'est-ce que c'était que ce bordel? L'alcool est fort aussi. Ouvre tout de suite. Oh bah ben, les touches. Je me rappelle plus des touches. Bon, si j'allais voir ce mec qui gueule... Où sont-ils? Ouvre tout de suite! Oh là, doucement. Baissez votre arme, je vous prie. Qu'est-ce que... Cette petite fille est dingue. Qu'est-ce que c'est que ce monstre?
transporte l'Adam, le matériau génétique qui fait tourner les rouages de Rapture. Tout le monde en veut. Tout le monde en a besoin. Vous croyez que c'est une enfant, n'est-ce pas? Ne vous méprenez pas. C'est une petite sœur, maintenant. Quelqu'un a transformé cette gentille fillette en monstre. Oubliez le bien et le mal. Ces vieilleries qui viennent de la surface, ici-bas, dans Rapture, ça n'a aucun sens. Sonne la matine, din-dang-dong. J'aime bien cette petite fille. On peut même pas tricher. Qu'est-ce que... Non! Non! Tu es dingue. Oh! Oh! Mais... Qu'est-ce que c'est que cette horreur? C'est un protecteur. La petite, elle, récolte la dent. Et lui, il la protège. Il va falloir que je me méfie de ces choses-là. Ta chambre, je renaîtrai ici si jamais je meurs. Reviens petit, reviens. Il faudrait plus de munitions. Si je les attaquais pendant qu'ils sont dans l'eau avec mon électricité. Très efficace. Cette attaque est très efficace. J'ai réussi à tuer une de ces choses, un de ces gardiens. La flèche un peu bizarre que j'ai devant les yeux m'indique qu'il faut que j'aille par là-bas. Mais fouillons l'endroit d'abord. Encore des toilettes. Mais qu'est-ce que j'ai encore déclenché? Attendez qu'il s'approche. Qu'est-ce que c'est que cette alarme? Quoi? Tout ça? Comment? Pourquoi? Approchez. De l'argent, ça pourrait te servir plus tard. Écoutons ce qu'il nous dit, il pourrait bien nous sauver la vie. C'est un monde de dingue ici.
Non, mon Dieu. Quoi? C'est un piège! Quoi? Dites-moi, quelle association de scélérats vous envoie? Espèce de salaud! Libère-moi! Le chacal de la CIA. Écoutez-moi bien. Arthur n'est pas une épave que l'on peut piller à l'envie. Et Andrew Ryan n'est pas un écervelé mondain. Il se laissera molester par le gouvernement. Essayerais-tu de me tuer? En voilà. Ouh. Tazedania. Ah, tu veux la jouer comme ça, Ryan? Alors nous sommes à présent ennemis. Je te trouverai et je te tuerai. Car pendant ma longue expérience, j'ai acquis des compétences et je n'hésiterai pas à les utiliser. Allez, je me casse. Comment ça, je fais pas partie de la bande? Attends, je reviens. Quelle bande? Oh là là là. Vous venez de rencontrer le châtelain de ce maudit domaine, Andro Ryan. Alors je vous préviens, ce soir mes blagues risquent de tomber à l'eau. Allô. Allô. Bon. Ok. Ils ont des sacrées occupations. Le docteur Steinman a dit que je sortirais aujourd'hui. Ryan n'est pas venu me voir une seule fois depuis l'attaque du Nouvel An. Mais le docteur était aux petits soins. Il m'a dit qu'une fois la cicatrice disparue, il allait me retaper en un rien de temps. Je serai la plus belle. Il est vraiment gentil. Et il s'intéresse beaucoup à mon cas. Bah, je peux jouer à l'eau si je passe sur ma Xbox One. Alors. Peut-être pas trop. Peut-être pas trop tarder, hein. On va y aller avec la. N'importe quoi, comme d'hab. Comme d'hab. Ah, très bien. Ça va m'être utile, ce truc. Putain, si... Est-ce que tu sais où tu vas, ou quoi? Est-ce que je peux pas avoir l'autre, là? Tu veux pas? Tu veux pas? Bon. Je veux pas. Pas qu'ils se battent entre eux. Ça ne dérange pas. Ryan, vous petit robot. Étais-je vraiment un chirurgien avant de les rencontrer? Nous gâchions nos coups de scalpel avec notre moralité désuète. Nous incisions un furoncle par-ci, rabotions un nez par-là. Cependant, pouvions-nous vraiment changer les choses? Je ne crois pas. La dent nous donne les moyens de le faire. Et Ryan nous libère de l'éthique illusoire qui nous entravait. Changez d'allure, de sexe, de race. Votre corps vous appartient. Il ne tient qu'à vous de le modifier. Alors, le concept de race dans une société anarchique comme celle-là,